Vous regardez rapidement, juste, on est tous les deux en position de garde. Tranquillement, boum, 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 je reviens. Enfin, enfin, boum, je reviens. Enfin, enfin, boum, je reviens. L'objectif, c'est d'aller chercher ici, de revenir. Et après, c'est à lui. Une dizaine de fois chacun. On part là-dessus pour le déplacement et pour. Juste, c'est important, c'est 1, 2, 3, 4, je ressors. 1, 2, 3, 4, je ressors. 1, 2, 3, 4, je ressors. Et le quatrième, c'est important qu'il arrive quand même et que vous ne soyez pas 1, 2, 3, ici déplié. Là, en gros, il est moins, je rentre, je rentre. Le dernier, il est pour ressortir. 1, 2, 3, je ressors. A contrario, restez pas ici et c'est l'avant du corps qui rentre. Il faut quand même qu'il y ait ce petit déplacement et après on ressort. Alors, j'avais vu un coup. Les déplacements sur les surfaces, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, du coup, la part, et depuis, on est parti avec la jambe avant. Donc, fais attention. Vous comprenez. Allez, c'est parti, merci, mais très court. Boum, je suis ici, je rentre. Et on repart de l'autre côté. Donc, là, c'est 1, 2, prenez la position, vous allez chercher. Vous allez essayer de là, quand vous êtes ici, hein, de ne pas rester sur place et d'aller chercher la main. Parce que là, vous voyez, le visage, j'aurai la pointe du menton, je suis en bout de course. Donc, il faut que vous trouviez le déplacement nécessaire pour que derrière, quand vous allez engager la hanche, ça arrive bien. Donc, c'est un, deux, boum, et je repars de l'autre côté. Un, deux, boum, je repars de l'autre côté, je suis ici, et je repars. On était ici, hein. 1, 2, 3, on sort de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, on sort de l'autre côté. N'oubliez pas, cette main-là, je tiens, elle reste. Quand on a basculé 1 et 2 ici, et qu'on bascule de ce côté-là, la main, elle est ni, celle-ci, elle est ni là en bas, ni là, elle sert plus à rien. Elle bascule ici. Alors, elle va servir si, boum, on repercute aussitôt, là, ça ne gêne pas. Mais comme la sortie, c'était simple, 1, 2, 3, et je suis ici, je me mets en mode protection, pour éventuellement pousser, hein, quelque chose comme ça. Si elle est là, le danger, il est là. Donc, on se met toujours en position de pouvoir parer le danger. Et ensuite, si on a fait 1, 2, 3, 4 et qu'on remonte ici, il y a un temps. Voilà. Donc, il vaut mieux que la main elle bascule d'ici directement au départ. Donc, 1, 2, 3, 4, je suis ici. Hop, je repars. Vous avez changé de côté. C'est-à-dire que le sparring, vous êtes les deux ont inversé de garde. Ouais. D'accord, ok. Donc, les deux ont inversé de garde et ça vous pose problème souvent sur le déplacement. Vous êtes à fond et vous êtes un peu plus pâteau, un peu plus lourd sur le déplacement, c'est normal. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait, vous changez de déplacement. C'est pas parce que vous êtes ici et vous êtes là que vous êtes obligé de repartir par ici. Parce que là, vous êtes directement en marche avant. Je m'explique. Je suis moins à l'aise pour sortir de ce côté-là. Donc, mon enchaînement va être différent. En fait. C'est-à-dire que je vais être ici, boum, je vais en faire. Aussitôt, je vais mettre le coup qui vient. Presque même, hein, on peut le faire. Là, sa jambe, elle est tellement prête, ici, hein, que je suis là, boum, je vais venir. Ça va pas être un low kick qui part de loin, comme on voit parfois. Ça va être le low kick là, boum, qui vient t'écraser. Et là, on peut repartir. Suivant ce que vous voulez faire, c'est vous qui vous mettez dans les meilleures conditions pour le faire. Donc, vous allez faire les deux. Donc, 1, 2. Je pars par ici, je pars par là, je pars par ici, et l'autre c'est 1, 2, 3, boum, ou en. Même s'il est moins difficile, même si on a l'impression qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on envoie le même côté, plutôt que de croiser comme on fait d'habitude, derrière quand vous allez venir poser, derrière ça va tout s'habituer. Je suis ici. C'est des exemples, hein, mais commencez à mettre ça en place. C'est parti, merci.